Et salut tout le monde, c'est Tristan et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Dying Light 2 Stay Human, j'allais dire Cyberpunk 2077, pas du tout. J'ai failli faire une petite boulette, bon, rien de grave, hein, vous allez me dire. Donc j'espère que vous allez tous bien, je ne sais pas quelle date va sortir cette vidéo, en ce lundi, voilà, de manière générale en ce lundi. J'espère que le lundi pour vous n'est pas une journée difficile comme tout le monde en ce temps à le dire hein, de manière générale. Tiens. Petite mise en abîme de la vidéo, c'est sympa. Il est où l'autre? Il est parti. Trouillard. Non, je l'entends. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a le jour qui arrive, c'est ça? Scotché. On va le fouiller. Allez là. Allez. Mais non. Mais bouge. Ah. Non mais oh. Donc, avant de commencer dans l'épisode, mais qui a bien commencé, en fait, je voulais voir avec vous deux petites choses. La première, c'est en fait, au début, je mettais le petit générique d'intro au début de la vidéo. Et puis après, je décide de le mettre en plein milieu. Donc là, vous l'aurez certainement en plein milieu. Pour les suivantes aussi, hein, ça changera pas pour l'instant. Parce qu'en fait, ma question, c'est est-ce que vous préférez l'avoir tout début, première frame, vous avez la petite intro, on va dire. Ou vous pouvez la garder au milieu comme je fais actuellement, c'est-à-dire qu'on fait l'intro de l'épisode et après je coupe. Voilà, c'est une question. Ou est-ce que vous préférez carrément que je le supprime? On met pas de générique d'intro, je garde juste le générique de fin pour conclure l'épisode, on va dire. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, ça m'arrangerait si vous pouviez me donner vos avis. Voilà, après si j'ai pas de réponse, je pense que je vais le remettre au début parce qu'en fait, le mettre en plein milieu... ça peut être chiant, je l'admets. Et l'autre point, c'est que j'ai activé donc là dans OBS un petit filtre de réduction de bruit sur le micro, car en fait je me suis rendu compte que il y avait un bruit dans Adobe Premiere, donc dans le logiciel d'édition vidéo. Donc j'appliquais un filtre de denoise à chaque fois. Je trouvais ça idiot de l'ajouter à chaque fois alors que je peux l'ajouter directement depuis OBS. Allez, on va rendre la quête à... comment il s'appelle déjà ? Roger ? Je sais plus. Bref, allez, on lui rend la quête. Aiden, qu'est-ce que t'as pour moi ? Roger. J'ai trouvé ces filtres. Oh, ok. Rien de bien extraordinaire, mais je devrais pouvoir les écouler pour un bon prix. Et ça? Une bouteille de cognac et une boîte de cigares. Ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est parfait. Tu vois, je savais bien qu'il y aurait quelque chose de valeur dans cette base militaire. Bah oui. Ça, Urban, j'ai le nez pour le bon matos, pas vrai? Excellent. À propos, c'est quoi le trip avec Hubert? Il voulait m'entuber? Non. Hubert s'est cassé la jambe. Je suis allé chercher la marchandise pour lui. Il aurait bien besoin d'un médecin, ou de quelqu'un pour le surveiller pendant qu'il se rétablit. Ah ouais, il va vraiment avoir besoin d'un médecin. Non, non. Mais de quoi tu parles? Tu sais ce qu'on dit. Crois en Dieu, mais casse la patte à ton cheval au cas où. Guten Tag. Quoi? Quoi? Ce psychopathe bosse pour toi? Eh bien, deux solutions valent mieux qu'une. Tu voulais me tuer? Qui a parlé de tuer qui que ce soit? J'ai juste dit à Klaus de récupérer la marchandise. Il lui arrive d'être un peu trop zélé. Abruti. Voyons, fais pas la gueule. Regarde Klaus, il t'en veut pas pour avoir tué ses amis. C'est la sélection naturelle. T'as prouvé que t'étais plus fort qu'eux. Ouh, ça va, il prend bien. T'es plus qu'utile après tout. Je savais pas comment atteindre Hubert, et c'est là que t'as débarqué. J'ai attendu que tu partes, non. Et j'ai rendu visite. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il souffrait vraiment à cause de sa jambe cassée. Du coup, je lui ai cassé l'autre.
pour équilibrer oh non. les choses. C'est ce qui arrive à ceux qui tentent de rouler Dodger. Putain, la bande d'enfoirés. T'es complètement taré. T'as pas besoin de t'énerver pour ça. Duralex, c'est de l'ex. On vit une époque difficile. Et la loi... Intéressant ce qu'il veut dire, ça m'intéresse. Il a déjà appris sa leçon. Il a dit qu'il recommencerait pas. Ah bon? Et comment tu peux en être aussi sûr? Il se protège, il sort couvert. As-tu idée du nombre de personnes entubées par Hubert Lapoisse? Des personnes qui cherchent elles aussi à s'en sortir. Mais non, mais tout ça pour... Des personnes qui ont des familles à nourrir. Ça fait un bail qui cherche les ennuis. Quelle bande d'enfoirés. Il a eu ce qu'il méritait. Et il n'entubera plus personne d'autre. N'oublie pas que la loi, c'est la loi. Et avec le monde qui s'effondre, on en a plus besoin que jamais. Sans elle, on ne vaut pas plus que de simples rats. Mais là, c'est très anarchique, quand c'est même. C'est ça que t'appelles respecter la loi? Ta propre loi? Tu t'en tireras pas comme ça. Je vais en informer Karl. Karl? Il osera jamais s'en prendre à moi. J'en sais beaucoup trop sur lui. Ouais, mais non. J'en sais beaucoup trop sur tout le monde. Même Lucas me respectait. Tu crois que c'est qui le responsable de sa mort? Barney? Sophie? Barney et Sophie ne sont que des gamins qui jouent dans un bac à sable trop grand pour eux. Il faut avouer qu'ils sont vraiment tarés. On sait jamais ce qui peut leur passer par la tête. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que la curiosité est un très vilain défaut. Merci pour ta préoccupation, mais j'en ai pas besoin. En gros, comment te dire, clairement, tu fais pas ça. Dès le début. Mais j'ai d'abord dû voir à qui j'avais vraiment affaire. Ah vas-y, dis-moi tout. Comment je m'en suis sorti? T'es un sacré personnage. Mais t'as encore beaucoup à apprendre, gamin. Tu m'as menti au sujet du verre. Ben oui. Aiden. Il n'y a pas de place pour un saint dans ce monde. Un martyr, peut-être. Si tu t'étais fait tuer. Au moins, j'ai la conscience tranquille. C'est ça. La conscience tranquille. Wunderbar. Personne n'a la conscience tranquille ici. Et vu que t'es toujours en vie, toi non plus. Pas vrai? Raconte-moi un peu, pèlerin. Qu'est-ce que tu fuis? Ouais, allez. La prochaine fois, trouve-toi un autre pigeon. Je pense qu'on se reverra, Aiden. Aiden. Ouais, lui, on va le revoir et je lui défoncerai la tronche. Dis donc, il est rapide le garçon. Oh oui! Un point de compétence! Oui! Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Demi-volée. Oh! Oui. Appui-tête, c'est quoi ça, appui-tête? Oh! Ah, mais celle-là, elle est excellente. Oh, je prends celle-là, je m'en fous. Niveau 6, il m'en manque qu'un. Franchement, c'est idiot. Tuc. Alors. Échanger, déjà. On va lui vendre les trucs de valeur. Oh là là, j'ai beaucoup trop d'armes. Alors, on va faire un petit tri dans les armes. Par dégâts. Ok, super. Il m'a mis une arme exceptionnelle, là. On va prendre... Ouais. On va prendre ces 4-là. Enfin, ces 3-là. Donc, tac. 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 Et c'est en dessous de 59. Tout ce qui est en dessous de 59. Alors, 65, 64, 42, 40, 46. Alors, c'est le truc un peu chiant à faire, mais le problème, c'est que si je veux pouvoir récupérer des matériaux et tout, enfin, récupérer après en me déplaçant, 61, 53, il faut que je le fasse parce que, après, vous avez vu plusieurs fois, j'ai eu un inventaire plein. C'est pas du tout pratique. Donc hop, on continue. Là j'ai des trucs franchement. Parce que je vais vendre tout ça, allez hop. Ah, on va pas s'embêter. Ouais. Je vends tout, comme ça on est tranquille. Ça fait plein d'argent, combien d'argent? 19 000. Hop. J'achète rien. J'achète strictement rien. Je m'en fous, je vends tout. Et là on est bien. Est-ce qu'on peut acheter des trucs, tiens? Non, ils vendent que des trucs. Bref. Franchement. Non, rien acheté. Bon, mais voilà, le truc chiant de fée.
Ah d'accord, mais il y a deux marchands. Est-ce que je peux améliorer des trucs? Tiens. Tiens. Améliorer. Donc je peux améliorer ça. Je peux pas améliorer les soins. Je peux améliorer ça. Alors là, il me faut 10 trophées infectés inhabituels et 3 rares. Ah oui, mais là, il m'en faut pareil. Donc il faut que je choisisse. Il faut que je fasse un choix. Bon. Forcer, serrure facile. Ah, mais on peut forcer. Là, d'accord, j'améliore juste la production. Bon, on va prendre ça. On va faire ça. Et là, après, j'en produirai 3 d'un coup. Ok, très bien. Est-ce que je peux lui vendre? Je vais lui vendre, mais... ce que j'ai là. Parce que c'est vraiment de la daube. Tout vendre. Et le menu de fabrication, c'était ça. Parfait. On va fabriquer... Ouais, 2, ça suffit. 2, ça suffit largement. Ah, en fait, qu'est-ce qu'on a comme quête annexe? D'accord. Ah oui, il faut que je cherche Bernet. Mais il faut que je fasse de nuit. Ah, je peux apprendre les cocktails Molotov. Mais vous savez quoi? On va faire la petite quête annexe qu'on a juste là. Et on fera la quête principale après, parce que les cocktails Molotov, ça va être le renouveau. Hey, toi. Ouais. Oui, moi. Quoi? Moi, c'est Damien. Aiden, t'es nouveau dans le coin, pas vrai? Je mens et je dis que je suis du coin. Je dis la vérité. Bon. Est-ce que ça fait une différence? J'étais fier. Je croyais connaître tout le monde dans ce trou. Mais toi, je te connais pas. Non. Peut-être parce que je viens de débarquer en ville. Vraiment? Waouh. Respect. J'ai entendu dire que c'était un vrai bain de sang au-delà des murs. Exactement. Quel est le rapport avec le boulot? Aucun, mon ami. J'essaie juste de voir clair dans ton jeu. Et j'aime ce que je découvre. Bon, à propos du boulot. Tout d'abord, il faut une bonne dose de discrétion de ta part. Ok. Je veux faire des affaires pour mes partenaires. Et pour eux seulement. Pour personne d'autre. Prépare-toi à les rencontrer sur West Quarry End. Ils te donneront tous les détails. Ça sent les trucs de course ou je sais pas. Allez. Compris. Je vais aller les voir. Ne les fais pas attendre. Et puis si je fais ce que je veux d'abord. Ça, je fais que te filer des infos. Et entre toi et moi, ouais. Tu le regretteras pas. Et toi, je suis parti. D'accord? Tu me vois plus. Donc c'est que je suis parti. Alors, est-ce que c'est loin? 37 mètres? Non, c'est à côté. Est-ce que je peux le faire là le... Mais... Ah oui! Hater? Ah? C'est Aiden. On vient de me faire une offre des plus louches, mais... C'est peut-être l'occasion de trouver une piste sur Lucas. Il me faut bien plus qu'une simple piste, Aiden. Quoi que ce soit, vérifie ce que c'est. Bien reçu. Terminé. Aïe! Attendez, je vous réaffiche ça aussi au passage. Bon, toi, voilà. J'avais envie. Bouffe. Ah, je peux accéder à cette... Ah non, mais j'ai déjà fait, je crois. Oh. Aiden. Un peu, voyons. Ah non, mais c'est juste là. Bonjour. Toc, toc, toc. C'est le marchand de sable. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Frappé. Eh oh! Y'a quelqu'un? C'est Damien qui m'envoie! Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux? C'est Damien qui m'envoie. Il a dit que vous aviez du boulot. Mauvaise adresse, gamin. Mais je viens de lui parler. C'est lui qui m'envoie ici. T'es tout seul? Mon slibar, oui. Ouais, je suis seul. Y'a intérêt. Maintenant, entre et descends. Ils t'expliqueront tout. Il... Arrêtez de fumer, monsieur. C'est mal. D'accord, faut descendre. Et pas pourquoi. Mais je le sens pas. Putain, il y a des trucs à looter, là. Ah, il y a plein de trucs à looter partout. Ah, je peux pas y aller. Bon, on va looter par là, déjà.
je récupère plein d'alcool, comme ça je pourrais faire plein de cocktails Molotov. D'accord, il y avait une échelle. Comment dire, j'en ai pas besoin. Quand on fait du parcours les gars, les échelles on les utilise plus. Ah merde. Je m'appelle Aiden, c'est Damien qui m'envoie. Oula. Je suis là pour le boulot. Ok, dis-moi donc, t'es nouveau dans le coin? Damien m'a demandé ça aussi. Ça fait une différence? Le boss a posé une question. Moi, j'essaie encore de comprendre pourquoi je suis ici. C'est vous qui tournez autour du pot. Ok. Parlons du boulot alors. Comment il fait le badass? Il est préférable de ne pas être très connu dans le bazar. Bah, c'est parfait. Je dirais pas qu'on m'y connaisse. C'est bien. Très bien. On dirait qu'on a enfin trouvé notre personne disparue. Attendez, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous me voulez? Disons juste qu'on travaille pour quelqu'un qui meurt d'envie de te rencontrer. Sauf que c'est pas lui qui va mourir. Je crois pas. Ouais, et voilà, encore une droite. Ils me foutent tous des droites. Ah, c'est bon. Oh oh oh, tu m'as raté. Allez là. Je l'ai coupé en deux je crois. Mortel. J'avais peur. Bon. Il m'a fait trop peur. Oh putain. Ma chaîne du pauvre. J'ai pas vu les dégâts qu'elle fait par contre. Voilà. Ah. Attrape. Oh merde, j'ai fait du bruit. Ils vont tous m'attaquer maintenant. Oui, j'utilise l'échelle quand même, finalement. Est-ce qu'on peut aller visiter les autres pièces maintenant? Oh. Je comprends plus rien là. Ils sont passés où les mecs? Il y en avait trois. Il y en a un qui a rejoint. Mais les autres? Ils sont où? Ok, du riz, du cuir. Il y a d'autres trucs à fouiller là. Mais oui. Ah non, mais c'est des couteaux de G. J'avais loupé ça. Mais oui, mais oh, j'ai fait de revenir. Oh oui, 74 de dégâts, le gourdin sauvage. Ok, mais en fait, il y avait plein d'armes pour se défendre, c'est un truc de dingue. Ah, il y a des trucs, dis donc. Projetage facile. Alors, c'est quoi? Ok, j'ai loupé un truc, parce que normalement, j'ai débloqué une amélioration. D'accord, j'aurais dû pouvoir le forcer. Ah, ça disait. C'est pas très puissante, par contre, cette arme. Et là où il est? Ah mais c'est le matin, c'est bon. Oui, j'ai décidé de pas utiliser l'échelle cette fois. Oula. Aiden, tu es... Comment t'as fait pour... Ne pas mourir? Espèce de trou du... Tu m'as piégé! Quoi? Mais non, je te jure, je n'aurais jamais... Je faisais juste mon boulot, recruter. C'est mon boulot. C'est qui ces gens? Et pourquoi est-ce qu'ils me cherchent? Je ne sais pas, Aiden. Faut me croire. Je t'en prie. Ils m'ont juste dit de leur envoyer tous ceux qui semblaient nouveaux. Ils m'ont pas dit pourquoi. Je n'ai pas d'autre choix que de faire ce qu'ils me disent. Ils ont un lien avec la mort de Lucas? Quoi? Non. Enfin... Non. J'espère pas. Bizarre. Ce serait... horrible. Mais je te jure que j'en sais rien. Donc tu...
T'en as envoyé d'autres avant moi et ils ont tous été tués? Mais qu'est-ce que t'as fait, Damien? Je ne savais pas. Au début. Mais je pouvais rien y faire, une fois que j'avais compris. Rien. Combien, Damien? Combien de personnes t'as envoyé à leur mort? Arrête ça, Aiden. Arrête. Je suis désolé. Il le fallait. Je suis piégé. Crois-moi. Ils détiennent mon frère. Eh ben voilà. Dis-nous tout. Ton frère? Explique-toi rapidement. Ils l'ont pris et ont menacé de le tuer si je ne faisais pas ce qu'il disait. Je me suis dit que si j'assurais, ils finiraient par le relâcher. Ils se foutent de moi. Et j'en peux plus. Je veux juste que mon frère revienne. Est-ce que tu vas m'aider à le trouver? Tu m'envoies à l'abattoir. Et maintenant, je suis censé oublier ça et t'aider à retrouver ton frère? T'es en colère. Je comprends. Mais regarde les choses en face. Mais il a pas l'air... Il a peut-être entendu la raison pour laquelle il te recherche. Il a l'air... Si je pouvais te le raconter, la merde, quoi. Est-ce que tu le chercherais? Ok, très bien. Mais t'as intérêt à prier pour qu'il sache quelque chose. J'y suis déjà passé et j'ai fouillé la zone sans trouver la moindre trace de Cliff. Vraiment? Oh, merde. Tu ne penses pas qu'ils ont... Il est pas mort, hein? Ne tire pas de conclusion hâtive. Mais où est-ce qu'il pourrait le garder? Bon sang, tout ça c'est de ma faute. Je suis vraiment stupide. Envoyer des gens ici, ça c'est de ta faute. Exactement. En ce qui concerne ton frère, rien de certain. Où tu l'as vu la dernière fois? On était sur East Quarry End, près du pont du diable, quand ils nous ont attaqués. Ils l'ont pris en otage, et depuis, ils m'utilisent pour exécuter leurs ordres. Je n'ai fait ça que pour garder mon frère en vie, Aiden. Je ne savais pas que d'autres mouraient quand ça a commencé. Bon, on va aller voir ça. Je vais fouiller la zone aux alentours du pont du diable à la recherche d'indices. Aiden, t'es sérieux? Tu ferais ça pour moi? Aucune chance. Je fais ça pour que personne d'autre ne meure à cause de toi. Exactement. Ah, pas non. Je sais que je t'ai pas donné la meilleure impression, mais je t'en prie, sauve-le. C'est ce qu'on va faire. Mais les crimes ne resteront pas impunis. C'est où? C'est loin. Bon, ben ce qu'on fait dans ces cas-là, hop, je m'y rends. Petite ellipse pour vous. Comme ça sera plus agréable. Attention le saut. Waouh. C'est chaud. Et puis on se retrouve. Ben, je vous reprends quand je suis arrivé là-bas. Allez, à tout de suite. Ben allez, je vous reprends avec un fail de saut. Hein, pourquoi pas. Donc on est presque arrivé. Et par là. Donc il serait par ici. Une cassette. Oui, le bâtiment à la recherche de Cliff. Pas l'air d'avoir de zombies, en tout cas. Ouais, il doit être en bas pour arriver à descendre en fait. Passer sous une échelle. Mais putain, mais le perso il fait n'importe quoi là. Ah, mais voilà. Ok, il y a des zombies. Ok. Des villas zombies pas beaux. Pas comme si on était en pleine journée. Pourquoi il tremble? Oui, j'ai la technique secrète. C'est-à-dire la strangulation, mais pas du tout. Il me brise la nuque. J'adore les bruits qu'ils font. Ok, mais lui il est pas tourné du bon côté évidemment. C'est important. Sinon ils nous entendent. Non c'est bon. Putain, ce serait excellent ça si le micro était connecté au jeu. Ah bah oui évidemment j'en ai plus. C'est pas l'arme que j'ai normalement ça. C'est ça. Ah oh, putain.
Putain, il y en a juste là. De face, évidemment. Mais à mon avis, il faut que je descende. On va pas tous se les faire. C'est complètement idiot. Et puis l'indicateur me dit il faut descendre. Oui, on va pas tout faire parce que sinon on va pas y arriver. Il me dit de descendre encore. On va continuer de descendre. On remontera après, à mon avis. Ouais, quelque chose me dit voilà qu'il faut attaquer par l'étage du dessus. Ah, mais ça me dit pas en gros que je peux forcer. Bon, je ne comprends pas. Et oui, évidemment. Évidemment. Ah, on peut faire aussi vite fait. Voilà. J'ai peur qu'il me. Ah, c'est quoi ce truc? Il y a quand même pas mal de bugs, hein. Oh, c'est le RT qui fait ça? Le jeu calcule des trucs qu'il devrait pas calculer. Oh. Bordel. C'est chaud du cul. Ils peuvent se mettre à marcher d'un coup. Sans crier gare. Tu meurs. Tu meurs. Ok, j'en ai un juste là. Claude se relève. Je fouille. Hop, on va tous se les faire là, je pense. Pas trop le choix, j'ai l'impression. Là, c'est chaud parce qu'ils sont côte à côte. Hein. Tourner comme il faut lui. Je vais pouvoir l'avoir. Oui. Donc là il va se relever. Bon après s'il m'en reste qu'un à faire. C'est pas le gênant. C'est sûr. Ah mais j'étais pas obligé de les faire mais bon. J'avais envie. Bizarre partagé. Donc j'en avais un qui était suspendu juste au-dessus. Me faudrait qu'on trouve comment descendre. Je pense que ça va être par là. Le jeu nous oblige à faire tout le tour. C'est fou, je suis concentré à pas faire de bruit. IRL. Ouf. S'en fout. Apparemment, il n'y en a pas. Ils sont pas méchants. Ça me dit pas s'ils sont méchants ou gentils, j'arrive pas à savoir. Je vais le tuer. C'est pas possible. Merde. Donc ils sont méchants. Bon bah c'était obligé. Par contre ça me dit pas où est le Toto. Miel là. Ouais, de merde. Ok, mais ça me dit pas où il faut que j'aille. Ouais, on va ramasser la petite résine. Il faut que je regarde combien j'en ai de la résine. Il y a une porte. D'accord, c'est par là. Ok, ok, on a trouvé. Qu'on trouve comme arme.
était sûr. Damien ? Damien ? Non, je m'appelle Cliff. Waouh, la ressemblance est étonnante. Garde ! Attends, mais, arrête, c'est quoi ? Damien qui m'envoie. Comment tu t'es enfui ? M'enfuir ? J'ai aucune raison. Ah, il travaille pour eux. Mais du coup, tu travailles avec eux ? À ton avis ? Écoute, Cliff, ce que je veux vraiment, c'est des informations sur le meurtre du commandant Lucas. Le commandant des pacificateurs ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Est-ce que toi ou l'un des tiens l'avait tué ? N'importe quoi, on n'est pas suicidaires. Et puis on a d'autres chats à fouetter. Comme toi, par exemple. Moi ? Qu'est-ce que tu veux dire, bon sang ? Tu n'avais pas encore deviné avec Damien ? Eh bien, j'adore mon frère, mais c'est un idiot. Ça a toujours été le cas. Père. Damien ? C'est Aiden, tu m'entends ? Affirmatif. T'as trouvé Cliff ? Ouais, mais... Hé, hey, frérot, t'as été d'une grande aide en envoyant tous ces gamins. Le docteur Waltz est très content. Non. Waltz ? C'est le patron ici. Patron ? Cliff ? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Ouais. Ils m'ont pris, mais j'ai vite rejoint l'équipe. J'ai dû faire semblant qu'ils allaient me tuer pour te mettre dans le rang et suivre les ordres. Tu as fait quoi ? Fais pas le bébé. C'était la seule façon de te mettre dans le rang. Comment t'as pu faire ça ? Faire ça à tous ces gamins que j'ai traînés ici ? À leur mort ! T'inquiète pas pour ça, frérot. C'était pour le bien de tous. Mais what the fuck ? Pour le bien de qui, exactement ? Celui du patron, bien sûr. Et maintenant, t'as apporté le type que le patron voulait le plus. C'est lui, les gars. Celui qui a pris le jouet du doc. Cliff ? Putain, qu'est-ce que tu racontes ? Le doc va être ravi. Ouais, mais moi, non. Voilà. Tu m'échapperas pas. Je veux dire, crochet à la paix. Putain, bouffe. Putain. Ah ben voilà. Aïe. Dans le bar. Soin. Éliminer les brutes. Putain, je vais te péter les jambes. Mais d'où tu m'attaques comme ça là ? Attendez, je fouille. Ils ont plein de thunes. Comment il est mort ? Allez, c'est pas mieux. Aïe. Mais comment il... Et comment il a fait pour m'atteindre ? Ah merde, il va faire tomber le truc. Voilà. Attends-toi. Voilà, ça t'apprendra. Bon. Bah, faut retrouver Cliff maintenant. Génial. Ok, super. La boss. Allez, c'est parti. J'adore cette compétence. Tiens, bouffe. Je vais péter une jambe, tiens. Damien ! T'es toujours là ? Dans l'œil. Je te timate. Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! Hey toi. Alors, ça a marché ? Non, c'était une impasse. Ça me surprend pas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je continue de creuser. Continue. Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! Est-ce que tu me sens ? Eh oh ! Oh. Voilà, je vous l'ai bien mis dans la tête maintenant. Ah putain ! Vous me détestez ? Non, ne me remerciez pas. C'est
C'est moi qui vais l'avoir dans la tête toute l'après-midi maintenant. Ah bordel. Tiens, je te fous dedans. Bon, vous savez quoi, on va se rendre... Ah oui, il faut que j'aille rendre la quête. J'ai rien à rendre plus tard. On va suivre la quête principale. C'est à 47 mètres. Et le moulin, il est à 65 mètres. Alors, je sais pas s'il faut que je m'y rende. Ah oui, non, d'accord. Il faut que je rentre. C'est la nuit. Donc, ça veut dire que ça va démarrer la quête automatiquement. Qui me repère ? Voilà, il y a du fail, là. Vas-y, évite ça, abruti ! Descends ! Goûte à ça ! Descends ! Voilà, merci. Ah, oh, punaise. Le pire, c'est que... La musique, elle est venue toute seule, quoi. L'autre, il a disparu, on ne sait pas où il est. N'importe quoi. Bref. Elle est sympa, la musique, là. C'est vrai qu'on retrouve vraiment la patte de celui qui a fait la musique de Plague Tale. Vous n'avez pas regardé la série sur Plague Tale, n'hésitez pas à aller regarder, franchement. C'est génial. Bref, mais ce qu'on va faire, on va se laisser là-dessus. Voilà, on est à une petite quarantaine de minutes de record de mon côté. Bah, enregistrement, c'est vrai qu'il faut que je me force à dire enregistrement, parce que record, c'est facile, mais... C'est pas français. Il y a vraiment des bugs, c'est bizarre. Je sais pas s'il faut pas que je désactive certains trucs, parce que... Là, ça va encore. Bref, donc on va se laisser là-dessus, donc je suis désolé, je sais qu'on avait dit qu'on avançait sur la quête principale et finalement on l'a pas fait parce que cette quête a pris vraiment plus de temps que prévu. Je vais arrêter de regarder par là-bas parce que ça fait bugger le jeu. On dirait qu'il y a un problème de texture. Ouais, je regarde s'il y a des bugs qui sont remontés. Ou alors c'est parce que j'ai optimisé les performances différemment. Bon, je ferai un petit tour sur Nvidia pour optimiser tout ça en baissant légèrement pour que ça optimise au mieux. Donc, si vous avez apprécié cet épisode, comme d'habitude, je vous propose de lâcher un petit pouce, j'aime, un petit commentaire. N'oubliez pas en commentaire de me dire si vous préférez avoir l'intro au tout début, au milieu, enfin au milieu, après quelques minutes d'introduction par mes sons, ou si vous préférez qu'on l'enlève directement. Voilà, ça, si vous pouvez me répondre, ça serait super intéressant. Si vous appréciez la chaîne, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Je suis désolé, mais ça me fait vriller ce bug. Et puis si vous appréciez la chaîne encore plus et que vous voulez l'aider à être connu, n'hésitez pas à partager les vidéos sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous pouvez en profiter pour me taguer. Vous pouvez évidemment me suivre sur les réseaux. Vous avez tout qui est affiché en fin d'épisode au générique. Voilà, donc restez jusqu'au bout si vous voulez avoir mes infos de réseaux sociaux. Et surtout... Ah oui, il faut que j'aille maintenant. Par là. Et par là. Et puis si vous voulez, voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, des besoins, n'hésitez pas à venir me demander. Ah, c'est le temps que ça charge en fait, ça a du mal à charger. Désolé, ça me perturbe. Et évidemment, si vous voulez me poser des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez venir en MP, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde, ciao.